Salut Internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Et justement, cette semaine, on va se concentrer un petit peu sur les séries. Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. C'est fini, plus de séries sur les super-héros. En même temps, cette année, on a eu franchement des programmes ultra top. C'était la première année pour moi où je suivais des séries vraiment à ce point, et c'était vraiment que du bonheur. En même temps, on avait grave le choix. On avait Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Arrow, Flash, Gotham, Constantine, Daredevil, et j'en passe. Enfin bref, c'était génial. Alors, mes préférés, c'était bien sûr Flash, Gotham et Daredevil, la grosse surprise. Justement, Daredevil, c'était la première saison et c'était vraiment une superbe série. Rien qu'en termes de réalisation et de développement des personnages, c'était vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Le personnage de Matt Murdock était vraiment, vraiment top et ils ont enfin sauvé l'honneur de Daredevil. On va pas s'étendre sur l'erreur avec Ben Affleck. Non, mais moi j'ai bien aimé la version avec Ben Affleck. C'est qui lui? Pourquoi il parle? Ça, c'était Austin, c'est le mec qui fait la musique dans LTM. Mais bon, on en parle dans 5 minutes. Sinon, pour revenir sur Daredevil, il y a une saison 2 qui va être bientôt en tournage et ça va être super cool. Mon deuxième choix, c'est Gotham, qui pour le coup était plus une série policière qu'une série de super-héros, mais c'était vachement cool. La saison 2 a déjà été commandée, mais j'ai un petit peu peur étant donné que Jada Pinkett Smith ne sera pas au casting, alors que clairement c'était le moteur de la saison 1. Je pense que du coup, ils vont mettre l'accent sur Nigma et sur le pingouin. Et j'adore aussi la transformation de Bruce Wayne petit à petit en Batman, c'est génial. La Batcave! Ouais, moi aussi j'ai kiffé. La Mon premier choix, donc c'est Flash, même si en termes de réalisation, ils sont un petit peu en dessous, c'est juste oufissime. Et pour le coup, la saison 2 risque d'être franchement méga méga top. Like BAM! C'est difficile de dire maintenant vers où ils vont aller étant donné qu'ils ont ouvert la possibilité du multiverse. Donc on va avoir plusieurs versions de Flash, Cisco et Kathleen ont des pouvoirs, et ça franchement ça tue. Quant à Harrison Wells, il va revenir. Alors après, bon, c'est difficile de dire s'il sera en tant que Eo Barton ou en tant que Harrison Wells avant qu'il se fasse tuer. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je les vois difficilement faire toute une saison sans de Reverse Flash. Voilà, c'est tout pour mes séries préférées. Moi, ma série préférée, c'était Arrow. Ouais, ok. Ah ouais, parce que le personnage principal... Et puis Diggle. Et Roy. Ouais, non, mais c'est bon, t'es calme, hein. J'ai vu le trailer de Legends of Tomorrow, ça a l'air génial. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, donc si tu veux voir, clique. Click on my face. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était également l'occasion pour moi de vous présenter Austin, c'est lui donc qui fait la musique pour les épisodes de LTM, celle que vous entendez là. Donc du coup, allez regarder sa page, Austin Music, c'est super sympa ce qu'il fait. Maintenant, part. Le prochain épisode de LTM sera une FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires YouTube ou sur Facebook via ma page Terry. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne LTM, sinon comme d'habitude je te mets en rab une petite vidéo. Cette fois il s'agit d'un trailer fan-made de Spider-Man version 2017 réalisé par Alex Luthor. C'est vachement cool. Putain, mais t'as pris un abonnement ou quoi? Oui, bah et alors, y'a quoi? Sinon moi je vous retrouve la semaine prochaine, donc d'ici là, regardez de bons films. Ciao. Non mais c'est bien toi, comment j'ai bien comme ça? Tu me parles à moi? À toi.